Hi folks, it's Arthur. Welcome to my channel. Salut les gars, moi c'est Arthur, bienvenue sur ma chaîne. On va faire aujourd'hui le troisième vol du Freewing Eurofighter Typhoon 90 mm, tout nouveau de chez motionrc.eu. Un jet qui fait 1m45 de long, 1m d'envergure, 3,8 kg prêt à voler avec une CNHL 6S 4000 qui est placée tout à l'arrière. J'ai en plus 20 g de plomb dans la dérive et 20 g de post-combustion. La post-combustion, j'ai fait une petite boulette, donc là, elle ne fonctionne pas, hein, j'ai coupé les fils. So guys, today we will do the third flight of the Freewing Eurofighter. You have seen just the placement all the way back of the LiPo CNHL 6S 4070C. And the CG is 20 millimeters behind the book and it's still nose heavy. And I've got 20 grams of lead in the tail, in the rudder. And 22 grams of afterburner. Okay, so we will do the third flight. I've got my gyro on. Check the description, guys, to know all the rates. Now my rates are pretty cool for me. Donc ouais, n'hésitez pas à regarder la description, les amis, pour voir tous mes débattements. En fait, j'en ai que deux. Hein. J'ai ça ou ça. Et en termes de profondeur, ça c'est mes petits. This is my low for the elevator, the mid and the high. But check the description to know the millimeters, guys. On a un gyro en route. Allez, go. The sound of this new power system is insane. Le son est dingue. That's a Delta Wing! Ah, c'est bien une aile Delta! C'est excellent! Excellent, excellent! Nice high alpha! J'arrive dans l'axe. Ça va vite, full throttle, plein gaz. Et ça monte. The air brake is out. Aérofrein sorti, plein réduit. Idle. On va faire un touch and go. We'll do a touch and go. With the air brake. Touch and go air brake. Oula, je suis pas du tout sur la piste moi. Superbe. C'est reparti. Superbe. C'est reparti. Extra cet avion, extra. Et ça tourne. Et on va le bloquer. Génial. Et on rend la main, on met du gaz. Allez, à fond. Ça monte. Et le train qui sort. Ha ha ha! Extraordinaire, non? Et le train qui sort. Ha ha ha! Alors là, c'était un vol, les amis. Robert, est-ce que tu as aimé ce vol? T'as pas vu toi. Mais moi j'ai vraiment pris plaisir. Là c'est le troisième vol et il est parfaitement réglé pour moi. Vraiment vraiment cool.
Bon, le CG est avant, c'est clair, on le voit, on le sent, mais il peut quand même faire des passages lents, ça, c'est jouable, c'est pas pourri pourri. Sinon, quoi d'autre? Incroyable. Sinon, il faut raccourcir tes vols parce que ils consomment. Ouais, il consomme. Il consomme pas mal. Et donc là, ouais, là, je suis à 2 minutes, 2 minutes 13 de moteur. Bon, j'ai tapé dedans, hein. Et je suis à 3,81 avec que 2 minutes 13. Donc, ouais. So, guys, to sum up, the third flight was a really good one. It's so easy to land with a lot of throttle, a lot, now around 30%, and you keep the tail down, the nose up, and yeah, you just flare with the throttle. That's so cool. But the wind was a bit turbulent. It was not that easy in the air, but it's okay. And yeah, the new power system sucks a lot because I'm at 3.81 volt for only 2 minutes and 40 seconds of flight. That's 2 minutes and 13 seconds of useful throttle time. So yeah, that's not an efficient power system for sure. And yeah, but gorgeous plane, very cool. The reverse is very, very, very nice. That's a very cool feature. Well done, free wing. Et voilà. Après, j'ai envie de dire, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme d'habitude, les copains. Vous connaissez la musique. Et puis surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Guys, thank you so much for watching. Don't hesitate to put a thumbs up if you liked it, as usual. And don't forget to subscribe. See you soon.